Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Buzz TV. Oui, on commence la semaine un mardi car hier c'était lundi, c'était férié. Damien Canivez était en RTT donc on n'a pas pu faire de buzz évidemment. Ah, j'ai pas posé mais ça, on est revenu dès aujourd'hui. Vous allez le voir avec nos invités du jour, un journaliste aussi efficace sur un plateau de télévision qu'en pleine immersion sur un terrain. Il a été présentateur du journal télévisé de 20h sur TF1 pendant plusieurs années. Sa voix grave résonne chaque week-end sur l'antenne de TF1 où il nous présente des reportages aussi percutants que touchants ou savoureux. Et justement, s'il vient au Buzz TV ce matin, c'est pour évoquer ce magazine dominical grâce auquel ce judoka confirmé met la concurrence au tapis. Bonjour Harry Roselmack. Bonjour, merci de venir. À tous les deux. Ben, je vous en prie, judoka, c'est vrai que vous l'êtes. Et vous êtes souvent, vous écrasez souvent vos adversaires le dimanche, il faut le dire. C'est assez régulier quand même. Mais en judo, on évite de se faire mal. Non, on projette, vous on projette, on peut projeter sur le dos, on peut maintenir, on marque des hippons, mais on ne fait pas mal. c'est jamais mal. Le magazine 7 à 8 Life, suivi de 7 à 8, c'est tous les dimanches à partir de 17h25 hein, sur TF1. Deux magazines de reportage dans lesquels vous mettez le feu des projecteurs, sous le feu des projecteurs, des histoires assez surprenantes, inattendues. Alors, avant de commencer, j'ai déjà la question à 1 million d'euros, mais que tout le monde se pose. Pourquoi garder le nom d'un magazine qui ne commence jamais à 7h et qui ne finit jamais à 8h, Harry? Tous les internautes vont me demander, donc je vous la pose avant. Voilà. Oui, non mais c'est vrai que la question peut se poser, mais 7 à 8, c'est une marque aujourd'hui. Qui est née à 7h-là, d'ailleurs, hein, entre 7 et 8, effectivement. Après, c'est aussi un magazine de transition à la fin de la semaine, donc on peut tout à fait dire 7e jour, 8e jour, enfin, il y a plein de petites choses auxquelles on peut se raccrocher. 7 à 8, c'est ça. Le 5 à 7, je vous le laisse. Mais en tout cas, il y a plein de choses auxquelles on peut se raccrocher pour garder cette identité qui est très forte, cette marque qui est très forte, qui est 7 à 8. Effectivement, même si l'émission, on l'a dit, démarre à 17h25, on est en direct, je le rappelle, nous, sur le Figaro Live, sur tmac.com, ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Harry Roselmack, est-ce que vous ne manquez pour rien au monde 7 à 8 tous les dimanches? Quel type de reportage vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? N'hésitez pas, vous faites également vos suggestions. Est-ce que vous aimeriez voir Harry dans une autre émission, représenter un JT? Vos questions, vos suggestions, vos commentaires, c'est tout de suite. Il répond après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Harry. Le week-end s'est bien passé, le tout week-end va bien. S'est très bien passé et je tiens à vous préciser que je n'ai pas posé de jour de congé puisque c'était un jour férié, ça m'était normalement dû. On commence évidemment avec les audiences, oui, on ne va pas parler de celle d'hier qui n'est pas spécialement marquante, mais on va revenir sur celle de vendredi avec le foot féminin. Et oui effectivement, car avec le lundi de Pentecôte, nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer ce tremblement de terre dont l'épicentre se trouve sous la tour TF1, la première chaîne de France retransmettait en direct le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football opposant la France à la Corée du Sud. Et tenez-vous bien, cette rencontre commentée par Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu a été observée par près de 10 millions de supporters, 44,3% de part d'audience. Alors c'est un carton phénoménal que peu de monde avait prévu, hein. Même pas Grégoire Margoton qui était sur ce plateau. C'est vrai, la sur ce plateau-là, dernière, il avait dit... Ouais, il était autour de 7-8 millions, mais en aucun cas il a dit près de 10 millions, donc c'était assez incroyable. Et c'est la première fois que les footballeuses sont autant vues à la télévision. À titre de comparaison, le dernier record d'audience en date, eh bien, c'était la finale de la Ligue des Champions en 2016 sur France 4 opposant Lyon à Wolfsburg et à l'époque ce match avait rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs. Et donc vendredi TF1 a atomisé la concurrence laissant France 2 et M6 loin derrière. Vous êtes à TF1, vous avez l'habitude de ces audiences-là. Est-ce que ça vous a surpris quand même le match d'ouverture France-Corée à 10 millions de téléspectateurs, Harry? C'est une très bonne surprise. Ouais. Après, c'est surprise vrai quand même, TF1, alors, hein, c'est vrai. Surprise quand même à ce niveau-là. Après, TF1, c'est la chaîne des événements médiatiques. Et on sait qu'un événement médiatique rassemble toujours beaucoup de monde. Et ce match de football, sur plein de plans, sur le plan évidemment sportif, mais aussi sur le plan sociétal et sur le plan de tout ce que ça signifie, de tout ce qu'on a dit autour de cette Coupe du Monde de foot féminin, bah, ça en a fait un événement. Et donc, la très bonne surprise, c'est qu'il a fait le plein. Vous voulez dire qu'il est assez symptomatique de l'évolution des conditions, notamment de la femme, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années. Ça joue aussi, effectivement, dans ce succès. Ben, je pense qu'effectivement, l'évolution du foot féminin et l'évolution de la médiatisation du foot féminin accompagnent un mouvement plus global, qui est un mouvement d'égalité, qui est ce vers quoi on doit tendre, tant au niveau de la question du genre qu'au niveau de...
voilà, des questions sociales, mouvement des Gilets jaunes, on peut en parler, et aussi des questions de diversité qui est un thème qui m'intéresse particulièrement. Absolument. Et puis on rappelle effectivement, c'est aussi la première fois qu'une grande chaîne historique retransmet Coupe du Monde féminine, qui était jusque-là plutôt sur C8, W9, Canal+, enfin des chaînes moins évidemment importantes que TF1. On continue, oui. On reste toujours dans le foot avec la suspension de deux journalistes, oui, de RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rantel. Effectivement, les deux consultants avaient suscité la controverse jeudi dernier dans l'After Foot sur RMC. Ils étaient revenus en direct sur l'affaire Neymar, au centre de laquelle se trouve l'attaquant du Paris Saint-Germain, accusé de viol par une jeune femme. Et au cours de cette émission, Daniel Riolo a voulu lancer un débat parallèle sur le physique de la plaignante, assez périlleux. Je le cite, « Mais la nana, tu l'as vu, la nana, tu fais venir une nana du Brésil, je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral, je suis vachement déçu. » Fin de citation. Jérôme Rotten, qui était avec Daniel Riolo ce soir-là, exactement, a estimé quant à lui que c'était de la deuxième division. Alors évidemment, vous imaginez bien que cette sortie a généré un torrent d'indignation. Il y en a qui sont à contre-courant. Exactement. Certains accompagnent les mouvements de société, voilà. Et puis d'autres sont à contre-courant. Et d'autres sont à contre-courant. Voilà. Malheureusement, c'est le cas de ces deux personnages, hein, qui ont suscité un torrent d'indignation sur les réseaux sociaux. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a dénoncé sur Twitter, je cite, une bêtise crasse et une méconnaissance de la culture du viol. La Société des journalistes de RMC s'est quant à elle désolidarisée de ses propos. Les deux hommes ont donc été contraints forcément de s'excuser sur RMC et sur Twitter, et des excuses qui apparemment sont insuffisantes, puisque selon les informations du Parisien, l'état-major de la station a choisi de suspendre d'antenne les deux consultants en attendant un rendez-vous avec leur direction en fin de semaine. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En attendant, ça chauffe pour eux. Vous parlez de contre-courant, c'est ça ou c'est des vieilles manies qui reviennent et qui restent, Harry, à votre avis? C'est difficile d'effacer, j'imagine, des années de machisme, notamment dans le foot. Mais ça n'excuse rien. C'est-à-dire que on est dans une société qui est censée s'améliorer, qui est censée évoluer sur un certain nombre de points. Et on ne peut pas continuer à propager des propos d'un autre temps, des propos qui sont indignes, sans avoir de conséquences, sans subir les conséquences de ces propos-là. Donc je connais Daniel Riolo, que j'ai connu dans une autre vie professionnelle. Ben, là, il a voulu faire le rigolo et mal lui en a pris. Et voilà, c'est de l'éducation, tout ça. Voilà, c'est de l'éducation. Il faut des sanctions comme ça pour que les hommes comprennent qu'on ne parle pas des femmes de cette façon-là. C'est dommage, effectivement, d'en arriver là, mais... Suspendu d'antenne, ça vous semble suffisant, quand même? Pas forcément un renvoi. Je ne suis pas procureur. C'est normal qu'il soit sanctionné. L'ampleur de la sanction, ça, je ne vais pas prononcer. Mais récemment, plus largement, on a vu Christine Angot faire un parallèle très malheureux entre la Shoah et l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'exprimer à la télévision, Harry? On a l'impression, aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, tout est noté. Tout est évidemment mis en exergue immédiatement. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui? Des propos comme ça pouvaient passer sous le radar il y a encore quelques années. Heureusement qu'ils ne passent plus sous le radar. Il y avait une forme parfois d'impunité sur certains sujets, pas sur tous. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut... Il y a des sujets qui sont trop graves pour qu'on les jette sur un coin de table comme ça et qu'on en parle en plus. Comme au Café du Commerce. Exactement, sans connaître en plus. C'est-à-dire que tous les gens qui font ce genre de dérapage, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les mémoires, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Quand on ne maîtrise pas un sujet, moi je ne suis pas du genre à parler de tout. Il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je peux parler, dont je peux parler avec des amis pour apprendre. Mais quand je suis sur un plateau où j'ai une parole qui porte, où j'ai une parole qui va être entendue et reçue par un certain nombre de personnes, je me permets pas de parler de n'importe quel sujet. De quelque chose que vous connaissez pas, effectivement. On termine avec Michel Drucker qui rempile un an sur France 2, mais... Il y a un petit mais. Exactement. Alors lui, il n'est pas suspendu, hein, Michel Drucker. Non, on va quand même le préciser. Michel Drucker, il était vendu avec le poste de télévision et apparemment, il n'a pas forcément l'intention de raccrocher les gants, en tout cas pas pour l'instant. Après 56 ans de carrière à la télévision, l'animateur a annoncé au Journal du Dimanche qu'il avait signé pour une nouvelle année sur France 2. Il poursuivra donc la présentation de son émission Vivement Dimanche le week-end en compagnie de deux nouveaux chroniqueurs, Alex Vizorek et Tom Villa, qui sont deux humoristes que nous avons aperçus cette saison aux côtés de Thierry Ardisson dans Les Terriens du Samedi sur C8. Et ce Selon le JDD, Michel Drucker pourrait rejoindre un jour Cyril Hanouna,
l'homme le plus influent, le plus performant du PAF sur le plan économique, selon lui. Voilà. Alors, effectivement, oui, c'est Michel Drucker, on en parle depuis des années. Il y a une politique notamment venue de France Télévisions et de Delphine Ernotte de féminisation des antennes. On parlait effectivement de rattraper un peu cette inégalité. On rappelle que sur les derniers chiffres du CSA de 2018, c'était 68% d'hommes, 32% de femmes à l'antenne, hein, des différentes chaînes de télé. France 2 a féminisé tous ses après-midi, parfois au détriment d'animateurs plus anciens, plus âgés, Patrick Sébastien, Georges Pernoud, William Lémergie. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose, Harry, de faire cela, ou est-ce qu'il aurait fallu y aller plus en douceur? On sait qu'il y a des départs qui ne sont pas très bien, qui sont pas très bien passés. Les départs sont rarement bien vécus par ceux qui partent. Après, je crois que les rééquilibrages sont nécessaires. Après, c'est effectivement des choses qu'il ne faut pas faire de façon trop brutale. Mais je crois qu'effectivement, à partir du moment où il y a des déséquilibres, où il y a des... On a un rôle important. Nous sommes des miroirs de la société. Et à partir du moment où des gens, des Français, des gens qui vivent dans ce pays, ont l'impression de ne pas être représentés comme ils devraient l'être, ça génère de la frustration. Et tout ça, c'est très mauvais pour le corps social et pour le vivre ensemble. Donc, il faut des rééquilibrages. Alors voilà, il faut le faire avec tact. Je crois que c'est ce qui est fait la plupart du temps. Après, effectivement, ceux qui partent, c'est normal qu'ils s'en plaignent. Mais rien ne se perd. C'est comme en physique, rien ne se perd. Et tous ces gens qui sont plus à l'antenne aujourd'hui, écoutez, ils font autre chose. Moi-même, je lisais dans vos pages ce matin que les transitions professionnelles étaient de plus en plus fréquentes. Moi-même, j'ai effectué quelques virages professionnels que j'ai souhaité, que j'ai demandé. Il n'y a rien de dramatique. On n'est pas propriétaire de nos sièges. Et ça, il faut le savoir quand on fait ce genre de métier. Pour la réappropriation de l'antenne, notamment par certaines minorités visibles, vous avez été le parfait exemple. Il y a eu une surmédiation incroyable le jour où vous êtes arrivé aux 20h de TF1 en tant que premier présentateur noir. Comment vous l'aviez vécu, vous, à cette époque? Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a réenclenché un peu la surmultipliée là-dessus, à savoir sur les couleurs de peau, hommes, femmes, jeunes, plus âgés? Vous avez été un peu un précurseur là-dessus, Harry. Comment vous l'aviez vécu à l'époque? Vous aviez déjà ce sentiment? Alors, à l'époque, j'en ai évidemment eu conscience. Comment pourrait-il en être autrement? C'était à la une de tous les journaux. Après, moi, je n'ai pas accepté ce poste pour cette raison première. J'ai accepté ce poste parce que je suis journaliste, que je présentais des journaux et qu'on me demandait de présenter le 20h de TF1. Et donc, je l'ai accepté pour ces raisons-là, mais j'en ai absolument assumé les conséquences. Moi, je vais vous dire, j'ai rencontré ces derniers mois, puisque avec la sortie de mon film, j'ai répondu à quelques interviews, au moins 2 jeunes journalistes noirs qui m'ont dit qu'ils sont devenus journalistes après m'avoir vu aux 20h. Et moi, je trouve que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que... Susciter des vocations, faire en sorte qu'un certain nombre de personnes cessent de s'auto-censurer en se disant « c'est pas pour moi » parce que... Non, il faut des exemples comme cela. Et même si, effectivement, ça génère, au moment où ça arrive, un buzz médiatique, c'est le cas de le dire, ce sont des choses qui, justement, font bouger, je pense, dans le bon sens. Damien, c'est fini pour aujourd'hui. On reviendra demain, promis, je n'ai plus de beurre, de cash. J'ai tout soldé. Très bien. Et un peu de mercato, hein. On a manqué un peu de mercato aujourd'hui. Vous êtes appétissant aujourd'hui. Vous êtes gourmand, pardon. Je suis gourmand. Appétissant, c'est gentil, Damien. Vous êtes appétissant. Là, voilà, ça on peut dire, voilà, c'est un craquage. C'est ça. Vous êtes appétissant, c'est gentil, Damien. Merci. Je remercie. On passe tout de suite, évidemment, à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions arrivent immédiatement avec Harry Roselmack. Harry, vous présentez le magazine 7 à 8 Life à 17h25, puis le magazine 7 à 8 à 18h30. On note bien, hein, effectivement, ce n'est pas les horaires du titre. Déjà, quelle est la différence que vous pouvez nous expliquer entre ces deux magazines, 7 à 8 Life et 7 à 8 Normal, pour ceux rares encore qui n'ont pas encore vu votre magazine? Oui, alors 7 à 8 Life est donc né après 7 à 8, oui. C'est une déclinaison du magazine. Et ce qu'a voulu Emmanuel Chin, le producteur, avec ce format Life, c'est d'être sur une dimension plus en proximité avec nos téléspectateurs. Ce sont plus souvent des sujets France, on est moins à l'étranger, et on est sur des sujets du quotidien des Français, on est sur des mouvements de société, sur parfois des sagas industrielles, mais qui racontent
la réussite de gens qui font bouger la société française. On est sur la nouvelle économie, beaucoup. On est aussi sur le patrimoine, avec des sujets qui présentent nos châteaux, qui présentent nos monuments et la façon dont ils vivent et dont des gens se mobilisent, parce que la force des sujets 7 à 8, c'est l'incarnation. Donc on parle toujours de gens, de héros du quotidien qui font des choses et qui sont souvent très positives. 7 à 8, c'est plus le moment des documents forts. Alors on a le fait divers. Plus d'actualité, sachant que la première partie peut être un peu plus dans l'actualité, même si effectivement dans Life, on ne s'interdit pas d'être dans des sujets d'actualité. Le mouvement, par exemple, on avait fait un sujet, une spéciale Gilets jaunes. Ouais. Incarné comme j'avais fait à l'époque dans les immersions qu'on avait mis dans 7 à 8 Life. Donc tout ce qui est en proximité avec la société française, on le traite dans Life, que ce soit de l'actu ou pas. En revanche, dans 7 à 8, on est plus sur des documents forts, on est plus sur des sujets évasion, puis on a ce fameux portrait de fin d'émission qui est désormais mené par Stéphanie Davoigneau, qui a pris la relève de Thierry de Mézières, ce qui n'était pas chose facile. Et on va en parler effectivement dans quelques instants. Le dimanche, il y a pléthore, on peut très bien regarder reportage sur TF1, il y a 66 minutes également, un excellent magazine sur M6. La différence, qu'est-ce qui fait la différence de 7 à 8? Pourquoi je devrais aller voir 7 à 8, Harry, encore, plus que les autres? Encore une fois, je crois que 7 à 8, on a une vraie particularité, c'est l'incarnation de nos sujets. C'est la façon dont on raconte ces histoires d'actualité. Pour déclencher un sujet 7 à 8, ce n'est pas une chose facile parce qu'on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de prérequis. Il faut qu'on ait des accès, il faut que la personne, les personnes que l'on suive acceptent de nous donner un peu d'elles-mêmes et de nous donner des accès pour qu'on puisse incarner ces histoires, pour qu'on puisse vraiment les raconter. Et puis, on a un magazine qui a la chance d'avoir encore, de mettre encore des moyens pour du grand reportage. C'est de plus en plus rare, malheureusement. Mais 7 à 8, c'est une émission qui investit sur ces sujets. Et on a eu des sujets très marquants cette année, notamment sur les cartels mexicains qui sont inédits, que les gens n'ont jamais vus. On a encore cette force-là de présenter à nos téléspectateurs des choses qui sont inédites, qu'ils découvrent, et qu'ils découvrent avec toujours cette façon de raconter et d'incarner. Damien, oui. On donne la parole aux internautes. La parole aux internautes, car ils sont nombreux, effectivement, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez encore envoyer tous vos commentaires. Et il y a un premier compliment, Nicolas. Désolé, il n'y a encore pas de critique aujourd'hui. Ah bah non, il n'y a quasiment jamais de critique. C'est un problème, effectivement. On essaiera d'y remédier. Mais que les compliments ici. C'est bien. On essaiera d'y remédier pour la saison prochaine. On essaiera d'avoir des faux internautes. Black Corvette Lux, qui est un internaute du Luxembourg, qui vous salue et qui estime que vous avez énormément de charisme et de talent. Voilà. Et une question d'Alexandre qui souhaite savoir si vous aimeriez représenter une fois le journal télévisé de 20h de TF1 comme vous l'avez fait, je crois que c'était de 2005 à 2011 de mémoire. C'est ça. Voilà. 2006 à 2011. Est-ce que vous aimeriez reprendre les rênes d'un journal télévisé? On vous le demande tout le temps, ça, j'ai l'impression, tous les ans. On pose beaucoup la question. Si ça vous manque ou pas, en fait. Non, ça ne me manque pas, parce que je fais plein de choses passionnantes dont on parlera peut-être. Bien sûr, oui. Et cette décision d'arrêter le journal, parce que c'est une décision que j'ai prise, je ne l'ai jamais regrettée. Maintenant, je sais qu'on est dans une société où c'est compliqué de dire jamais. Ouais. Donc, je ne dirais pas que je ne représenterai jamais un JT. Mais ce n'est pas une volonté que j'ai aujourd'hui. Je suis parti sur d'autres choses qui sont très nourrissantes intellectuellement et qui me ramènent vers... Notamment les livres, les films, que vous faites également. Et qui me ramènent vers ma passion première, qui est l'écriture. Moi, les mots, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui a forgé ma vocation en partie de journaliste. Et c'est ce dans quoi je me plonge plus dorénavant. Alors les mots, c'est évidemment aussi une partie précieuse de la rubrique phare de 7 à 8, qui est notamment le portrait de la semaine, qui avait été créé par Thierry de Mézières, on s'en souvient. Stéphanie Davoigneau, qui a pris sa relève, maintenant on interroge une personnalité ou un anonyme, alors, ça dépend, être, qui fait la non-anonyme. Tout à oui. fait précis, c'est Laurence Ferrari et Thomas Hue qui, dans les tout premiers numéros de 7 à 8, menaient ce portrait de la semaine, de fin, puis quelques mois après les tout débuts de l'émission, Thierry de Mézières lui a donné vraiment son identité. Ouais, absolument. Comment vous expliquez que cette rubrique et que cette interview soit devenue culte au fil des ans? Vous avez souvent des premières exclusivités, vous avez des témoignages parfois d'anonymes ou de gens qui sont d'actualité forts que toutes les chaînes aimeraient avoir. Ils viennent chez vous et ils parlent d'une manière très différente d'ailleurs. Le portrait de la semaine, c'est une case unique à la télévision française parce qu'elle donne la parole à quelqu'un qui est en permanence à l'image, c'est-à-dire que le journaliste s'efface pendant 10, 12, 15 minutes à une heure de grande écoute. Ce qui est long en télévision. Ouais, effectivement. Donc,
Ce portrait de la semaine, c'est d'abord cette exposition inédite, c'est aussi un rythme, c'est même une musique. Ouais. C'est-à-dire qu'on entend, on connaît, les gens qui regardent cet A8 connaissent, c'est le générique de ce portrait de la semaine. Et c'est surtout une façon d'interviewer, j'ai envie de dire d'accoucher la personne qui est interviewée. On lui demande de se livrer pour nous faire part de choses qui sont parfois intimes, mais qui sont en tout cas toujours intenses et exemplaires, parce que l'idée de ce portrait, c'est pas simplement un témoignage pour avoir des infos, c'est aussi des témoignages qui permettent de faire passer un message et qui permettent souvent aux téléspectateurs, à ceux qui les reçoivent, de recevoir aussi une leçon de vie. Même si ce sont des choses qui sont parfois dures, au final, c'est vrai qu'on a toujours des personnages, des invités, des portraitisés qui arrivent à prendre le dessus et à se dépasser. Et ce sont des leçons de vie. Je pense que c'est pour ça que les gens y sont aussi attachés. Il y a une personnalité que vous aimeriez recevoir, avoir dans ce portrait, que vous n'avez jamais eu, Harry, ou pas ? Il y a beaucoup de personnalités qu'on aimerait avoir, alors qu'on n'a jamais eu. On ne va pas trahir de secret, on travaille beaucoup sur Brigitte Macron, qui est une personnalité qui a Mélissa marqué Thériault les Français. Mélissa Thériault aimerait l'avoir pour cette au tableau, elle nous a dit ça et aussi. Oui, et donc c'est vrai que c'est une personnalité qu'on aimerait avoir. Mais on travaille sur d'autres personnalités très différentes, Kylian Mbappé aussi par exemple. Enfin voilà, toutes ces personnalités emblématiques qui ne s'expriment pas souvent, c'est l'ADN de ce portrait de la semaine. Damien. Oui, Stéphane a une question sur Twitter. Il aimerait savoir si avec votre voix grave, vous aimeriez refaire de la radio. Vous avez commencé à la radio, je crois, sur J'ai les antennes beaucoup de France radio. Bleu. Oui, notamment à France Info. Ouais. J'ai travaillé pendant 11 ans en radio avant de faire de la télévision. Et c'est vrai que c'est un média pour lequel j'ai un attachement tout particulier, pour plein de raisons. Je n'ai pas prévu d'en refaire, parce que, encore une fois, je m'éclate dans ce que je fais et ça me prend beaucoup de temps. Maintenant, la radio, c'est un média que j'aime beaucoup. Donc, je n'exclus rien non plus. Ouais, Nico Saliagas, Audrey Crespo-Marache sont partis sur Europe 1. Hein. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour. Si ça vous intéresse, Harry, pourquoi pas. Je crois qu'ils ont besoin ils ont besoin de remonter un peu la pente. Je pense que vous feriez l'affaire dans ces cas-là. Vous étiez beaucoup sur le terrain, un peu moins maintenant. On se souvient des Harry Roselmack en immersion. C'est une volonté de votre part d'être moins sur le terrain, Harry, ou vous avez simplement moins le temps? C'est une évolution qu'on n'a pas recherchée. Les immersions, pour moi, ça reste, et les gens en seront peut-être surpris, mais ça reste le Graal de ce que j'ai pu faire, pour moi, en journalisme télé. Le 20h, c'est important, et j'ai adoré faire ça. Mais l'immersion correspond vraiment à ce que moi, j'aime dans ce métier, c'est-à-dire aller vers les gens, prendre le temps de les comprendre, aller chercher des choses qui permettent de décrypter la société et la façon dont elle fonctionne. Et pas juste sur une journée, sur une... Et pas juste sur une journée. Donc, les choses, l'évolution des choses a fait qu'on a arrêté ce format. Moi, je considérais que l'immersion, c'était une collection. Cette collection, on l'a menée à terme. On avait proposé autre chose, une autre émission derrière qui s'appelait Introspection, dont on avait tourné le pilote. Comme ça peut arriver, il n'y a pas eu de programmation à la suite de ce pilote-là. Puis ensuite, je suis parti sur autre chose, je suis parti sur de la fiction. D'ailleurs, hérité de cette matière que j'ai acquise lors de mes immersions et j'en suis... Qui vous aide dans l'écriture notamment, qui vous nourrissent. Ouais. Alors, on parlait de cette A8, évidemment, une émission qui existe depuis 2000, ce sera vos 20 ans, hein, c'est ça, l'année prochaine. Ouais. Après, en 2020, il y a toujours 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne devant cette émission, ce qui est assez fou. Est-ce qu'elle fait partie des émissions immortelles? On a l'impression qu'elle est là depuis toujours et qu'elle est là pour longtemps encore, cette A8. Je le pense aussi, je pense qu'elle est là pendant encore longtemps. Après, immortel, rien. Oui, rien, surtout en télé. Surtout en télé, personne ne l'est. Mais c'est vrai que c'est une émission à laquelle les gens sont très attachés, c'est un vrai rendez-vous. Et ce qui est assez symptomatique dans la façon dont on m'aborde moi, c'est que, évidemment, en 2006 jusqu'à 2011, les gens qui me voyaient dans la rue m'associaient tout de suite au journal de 20h. Aujourd'hui, les gens
m'associe dans la rue à 7 à 8. C'est vraiment voilà, ce rendez-vous du dimanche soir qui permet de vivre par écran interposé des histoires, des aventures d'actualité incroyables. Alors, vous jouissez toujours d'une grande popularité. On le voit notamment dans le grand sondage biannuel de TV Magazine. Vous êtes toujours dans le top 10 des animateurs télé, des présentateurs préférés des Français. Pourtant, vous êtes d'une discrétion absolument incroyable, Harry. Comment vous expliquez cet amour et cette popularité du public? Parce que devant, on a des gens qui sont très médiatisés, vous l'êtes beaucoup moins et pourtant vous êtes encore dans les tops. Je ne saurais l'expliquer autrement que par le fait que je suis authentique dans ce que je fais, que j'y mets de la conviction et que j'aime ce que je fais et j'aime les gens. Et je pense, c'est Catherine Nel qui a été ma première rédactrice en chef sur le journal de 20h, qui est aujourd'hui sur un autre média, elle est maintenant à France Inter. Catherine qui me disait que l'authenticité, c'est ce qui payait en télé. Et moi, je pense être quelqu'un d'authentique. Donc, je crois que c'est ce qui a fait ce lien très fort avec les Français, ouais, au-delà du fait que mon arrivée a été très médiatisée. Absolument. Du fait que je sois noir et que c'était une première. Est-ce que ça vous a pas vacciné, Harry, un peu sur la surmédiatisation? Quand vous êtes arrivé, premier présentateur noir d'un JT, il y a eu des tonnes. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, c'est trop, je ne veux plus revivre un truc pareil? Non, c'est pas tellement ça. J'ai toujours eu la conscience, et je l'ai plus que jamais, que ce que les gens projettent vers vous, c'est pas vous simplement qui le provoquez, qui le justifiez, c'est d'abord le média, c'est d'abord la force du média qui fait ce que vous êtes. Et quand vous n'êtes plus dans le média, bon voilà, ça décline plus ou moins. Moi, c'est vrai que j'ai un lien très fort avec les gens qui fait que, même si je suis un peu moins présent, il y a beaucoup de personnes qui continuent à s'identifier à mon parcours et qui continuent à aimer ce que je fais. Mais il ne faut pas croire qu'on est le seul responsable de tout cet amour, entre guillemets, que les gens vous portent, parce que là, c'est le début de la fin. Et pour tout vous dire, ce qui est assez marquant, c'est que j'ai moins de mérite à avoir présenté le journal et à présenter 7 à 8, parce qu'il y a toute une équipe derrière, une équipe très compétente, qu'à avoir fait, alors avec une équipe évidemment, mais seul et l'idée, un film que j'ai écrit, que j'ai réalisé, que j'ai produit, avec aussi un album, une BO, une bande originale qui va avec, deux choses dont je suis extrêmement fier, mais qui n'ont absolument pas l'écho et qui ne suscitent pas le même engouement que le reste. Donc tout ça met un peu en perspective et permettre d'analyser avec une lumière un petit peu différente cet amour que les gens vous portent. Damien, oui, on va bientôt se quitter. On arrive au bout, là, déjà, on a dépassé. Justement, c'est passé trop vite. Une toute dernière question. Vous avez parlé, effectivement, de cette casquette de la fiction que vous avez également. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? C'est une question de Marine qui, apparemment, est très curieuse. Voilà. Eh bien, tout simplement, moi, l'amour des mots, c'est ce qui me définit. À un moment, j'ai eu envie de raconter une histoire que je ne pouvais pas raconter par le documentaire, parce que les gens que je voulais mettre en présence, on ne les trouve pas dans la réalité. Et donc, cette histoire, je l'ai écrite avec ce que j'ai vécu sur le terrain, mais aussi en y intégrant mon univers, en y intégrant mes envies et cet univers artistique que je porte aussi en moi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait apprendre sur moi-même, sur ce que je pouvais porter, sur ce que je pouvais endurer, et sur tout un tas de rencontres magnifiques que j'ai faites tout au long de ce projet. Donc le film s'appelle Fracture, et il est disponible en VOD sur toutes les plateformes, et en DVD également. Et que vous pouvez évidemment télécharger. Merci beaucoup, Harry, d'être passé nous voir. Merci en tout cas, je rappelle que vous présentez tous les dimanches 7 à 8 live, c'est à partir de 17h25, puis 7 à 8 classique, c'est à partir de 18h30. Tous les dimanches, l'émission vraiment qu'on prend plaisir à vous regarder. Merci d'être venu encore. Et puis, bonne chance dans tous vos futurs projets, bien entendu. Damien, nous, on sera là demain, à l'heure. Et nous allons avec en parler football. Deux invités, invités pour le prix d'un. Nous allons parler football. Ce sont deux personnes qui portent les matchs de l'équipe de France, notamment sur Canal+. L'une est aussi au PSG, d'ailleurs. Elle officie toujours dans les coulisses. Il s'agit de Laure Boulot, que nous recevrons sur ce plateau, ainsi qu'Hervé Matou, qui aussi anime le Canal Football Club tous les week-ends sur Canal. Voilà, la parité, c'est au Buzz TV. Voilà. Et ce sera demain dès 10h30 dans le Buzz TV. Excellente journée à toutes et à tous.